allons passer à la question numéro 16, donc, qui avait été ajoutée en début de séance à l'ordre du jour et qui porte sur une publication que nous souhaitons réaliser. Donc, en fait, dans le cadre des commémorations de la libération d'Avranches, la ville a décidé de passer une commande d'une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est l'œuvre de Jacques Lecoq, que beaucoup d'entre nous connaissent bien. L'œuvre est agrémentée de dessins de Franck Lhermitte, notamment. Et cette bande dessinée est destinée à un public d'enfants d'environ une dizaine d'années, donc plutôt des élèves en fin de primaire, début de collège. Donc les auteurs cèdent leurs travaux, hein, ne réclament pas de droits particuliers sur leur travail. Il a été prévu de tirer cette publication à 3000 exemplaires. L'imprimeur retenu après donc consultation, c'est un imprimeur de Pontorson, M. Durand, imprimerie Maléco. Et le coût global de cette impression est de 2400 euros. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, 3000 exemplaires, coût de la publication 2400 euros, c'est-à-dire qu'on a un coût à l'unité qui est relativement peu élevé. Il est prévu que cette publication soit remise gratuitement à tous les enfants des écoles primaires d'Avranches. Par contre, et c'est là-dessus qu'il faudra que nous nous prononcions, il est proposé de la facturer 1 euro, donc une somme tout à fait symbolique, aux enfants qui sont scolarisés hors d'Avranches. Voilà. Donc c'est une proposition que nous vous faisons ce soir. Alors moi que vous ayez des questions complémentaires, hein, on peut en débattre si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques particulières? Monsieur Morazin, je vous écoute. Aucune remarque, si ce n'est que c'est une très bonne initiative. Merci. Excellente initiative. Monsieur Delaunay, vous avez des compléments d'information? Oui, j'ai un petit complément par rapport à la note qui a été remise. C'était Franck Lhermitte qui était au départ du projet, et c'est Mademoiselle Doublet plutôt, qui a continué le travail par la suite. Donc c'est elle qui fait les dessins, et Monsieur Lecoq qui fait les textes, et je crois qu'on va bientôt avoir les planches, puisqu'on a suivi ce dossier avec Marie-Claire Chéreau. Voilà, nous avons eu l'opportunité de voir des reproductions, hein, des planches originales, et demain matin, nous verrons les documents originaux. Mais avant de lancer plus avant ce projet, il nous fallait votre approbation. Donc, qui est contre ce projet de publication dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la Libération? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, à l'unanimité, nous retenons donc ce projet. Nous aurons grand plaisir à vous présenter dès que possible. Merci. Donc, notre ordre du jour est... effectivement, Madame Leroy, je vous écoute. Oui, donc, dans le cadre des cérémonies qui seront mises en place là, avant, pour la libération d'Avranches, est-ce que vous avez invité le monsieur le maire de Crediton? Oui, alors déjà été invité, peut-être pas l'année dernière, mais c'est à 5 ans, il me semble. Alors, les contacts sont pris avec l'ensemble des maires des villes jumelées, mais nous allons envoyer les invitations officielles aux cérémonies dans la semaine qui vient. D'autre part, je vous signale que le compte-rendu, enfin le procès-verbal du Conseil municipal du 7 avril est rédigé. Vous le recevrez par mail dès demain, mais aussi par la poste, si vous souhaitez, Madame Leroy. Oui. Madame Leroy. Oui, je pense qu'il a quand même plusieurs feuilles. Donc, oui, bien sûr. Je pense que ça serait bien. Ce n'est pas le compte-rendu intégral. Si, c'est le compte-rendu des débats qui se sont... Oui, je pense que ce serait judicieux de nous l'envoyer aussi par la poste, individuellement. Voilà. Merci. Voilà. Vous savez que nous faisons attention aux finances de la ville. Vous savez que le coût d'impression est une charge assez importante. Mais je comprends parfaitement. Après, l'idée, c'est d'envoyer le fichier en format PDF. Ensuite, chacun est libre de l'imprimer avec ses propres moyens à domicile. Oui, mais il y a aussi des élus qui n'ont peut-être pas la possibilité, je ne parle pas en mon nom, pour moi personnellement, mais je pense aussi qu'il y a des élus qui n'ont peut-être pas la possibilité d'éditer. Nous avons reçu le compte-rendu de la commission des travaux, qui est vraiment très intéressant. Il a 24 feuilles. Je crois qu'aussi, si nous pouvions recevoir, quand il y a un nombre aussi important de feuilles,
le document par courrier. Merci. Il n'y a aucun problème, effectivement. Voilà, donc ce compte-rendu, ce procès-verbal donc, du conseil municipal du 7 avril sera donc disponible très rapidement. Donc, vous le recevrez par voie numérique, et si vous souhaitez l'avoir en tirage papier, nous vous l'adresserons bien évidemment. Voilà. Mais bien évidemment, encore une fois, si l'on peut faire ces économies, nous les ferons. Donc si vous souhaitez l'avoir par... on prend note, hein, Madame Leroy, vous avez formulé la demande ce soir de manière tout à fait officielle. Donc nous vous l'enverrons, vous le mettrons dans votre casier à la mairie. Monsieur Morazin. Même demande pour Monsieur Morazin. Les informaticiens ont opéré une mutation d'un serveur vers un autre. Alors quand je dis les informaticiens, il y a surtout Franck Ludger qui a une charge de travail assez importante. Et il fait ce qu'il peut pour rendre service à tous. Voilà. Écoutez, merci. Merci à tous d'avoir été présents. Merci au public d'avoir assisté à cette séance. Et nous vous donnons rendez-vous le 7 juillet pour une prochaine séance de conseil municipal.